Les produits périmés. Tu sais, ce n'est pas du tout bien de fuir son destin. Là, je commence à avoir des doutes. Je déteste les personnes qui n'écoutent pas. Je suis désolé, c'est juste que... Lorsqu'on a fini de parler, moi et cette fille-là, c'est... Comme si j'avais quelque chose au ventre. Je suis sûr que tu sais de quoi je parle. Non, les anges n'ont pas de problème de digestion. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est... Comme s'il y avait le feu, là, dans mon cœur. Problème cardiaque? Non, les anges n'en ont pas. Ok. Tu as été avec moi depuis le début, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, tu connais toute mon histoire depuis ma naissance? Lorsque tu étais au lycée, ta petite amie t'a quitté parce que tu lui as offert du chocolat provenant du Togo pour la Saint-Valentin. Au campus, tu as été l'étudiant le plus nul de ta promotion, et ce, 3 fois de suite. Au boulot, on t'a surnommé Easy. Ça c'est parce que c'est facile pour moi de m'adapter. Pas vrai. C'est parce que lorsqu'une fille voulait un déjeuner ou un ticket gratuit au ciné, ou alors une faveur sans rien donner en retour, c'est toi qu'elle appelait. Bien. Et là, j'ai une chance d'échanger avec la fille que j'ai toujours voulu, mais que je n'ai jamais eue. Et donc, après tout ce que j'ai vécu, n'ai-je pas aussi droit au bonheur? Accordé. Quoi? Sache que tout appel, au nom du véritable amour, trouve une faveur au ciel. Tu as ce que tu veux. Vraiment? Va retrouver Angela. Attends. Tu as seulement 7 jours. Si elle tombe amoureuse de toi, tu vivras ici avec elle. Mais attention, si ce n'est pas le cas, tu seras condamné à l'enfer. Tu n'auras plus de chance de rédemption. Est-ce que c'est bien clair? Je vais commencer maintenant. Pouvez-vous vous relever? Merci. Ok. Laissez-moi vérifier quelque chose. Sa pression sanguine, tout est redevenu normal. Tous les résultats qu'on avait ont mystérieusement disparu. Son test psychologique est normal. Et toutes les lésions ont été recouvertes. C'est vraiment étrange. Très étrange. Le gars avec qui elle était a été gravement blessé. Pourtant, l'airbag fonctionnait. Je viens de trouver une exception à la règle. Richard, Francis, 7 jours. S'il est jour, il viendra nous rejoindre. Alors, arrange-toi pour qu'il échoue. Quand veux-tu que je commence? Immédiatement. Hey,
N'échoue pas. Ça n'arrivera pas, Seigneur Lysius. Je suis en mission dans le corps d'un humain, et ce corps a des besoins. Alors pourquoi tu ne veux pas me dire comment est-ce que je peux retrouver Angela? Parce que ma mission ne se limite qu'à ta protection. C'est à toi de la retrouver. Et comment je fais? Hein? Je ne sais pas où elle vit, ni où elle travaille. C'est arrivé parce que tu as pris le mauvais chemin. Un nuage a guéri la plaie. Tu es en pleine forme. Oh. Ah ouais? Bien. Ne te prends pas pour un super-héros. Bonjour, monsieur. Tu peux t'en aller. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ce n'était qu'une simple mission. Va chez elle. Vois ce qu'elle veut. Et tu reviens me faire le point. C'est tout. Oui, monsieur. Je suis désolé. J'étais... en fait, hier nuit, lorsque vous m'avez appelé, j'avais un petit malaise. Mm-hmm. J'étais justement sur le point de... En fait, je me rendais... À Abuja, pour voir comment, pour accomplir la mission, mais j'ai eu un accident. Un accident? Vraiment? Mon Dieu! Tu étais mort? Non, je veux savoir si tu étais mort, parce que c'est un miracle. Dis-moi combien de temps tu as fait dans la tombe, pour que je vienne te saluer. Tu me la feras pas à moi. Oh. Ton ami Bassé a infligé à ta petite amie une très bonne correction avec son bazooka. Ah, tu vois de quoi je parle. Ce n'est pas ton... Petit manchin, ce petit truc que tu as, cette baguette. Ta petite amie a été allumée avec ce qu'on appelle au Congo le chaboula. Oui, c'est le meilleur endroit où l'on transforme les petits manchins en des engins très puissants. Tu es en train de me raconter que tu as eu un accident. N'importe quoi. Tu sais, la solution à ton problème se trouve au Congo. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Monsieur, vous allez bien? Qu'est-ce que c'est? Ah! Yeah. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Monsieur, en fait, je suis venu demander quelques jours de repos. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, prends des mois de repos si tu veux. Appelle-moi Mune. Va, dis-lui que j'ai besoin d'elle. Dépêche-toi, dis-lui de venir. Come on, let me explain.
connaissez-vous Angela? Angela? Oui, elle était ici hier nuit, elle était assise juste là. Je ne sais pas si elle est régulière ici. Ah elle oui, est... elle est en chair. Oui, c'est ça. Mais pourquoi la cherchez-vous? C'est... En fait, c'est... Elle est... C'est une amie. Ah, vous savez, nous sommes au Nigeria. Donc, j'espère qu'il n'y a vraiment pas de problème. Non, 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 non. Ok, je crois que je vais vous donner un numéro. Mais c'est pas gratuit. Salut. Salut. En fait, je cherche Angela. C'est vous qui m'avez appelé? Oui. Vous... Vous êtes Angela? Je suis Angela. Mais si vous voulez, je peux être autre chose. Dites-le-moi. Je suis désolé. Je crois que je me suis trompé. Je suis en train de chercher une autre Angela. Désolé pour le dérangement. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Ok. Vous pouvez dire à quoi elle ressemble si on vous demande de la décrire? Dans les moindres détails. J'ai un ami. C'est un artiste. Il peut dessiner n'importe qui. Vous n'avez qu'à lui dire à quoi elle ressemble. Ok, merci. Et le tour sera joué. Ça sera rapide. Je vous serai vraiment reconnaissant. À une condition. Venez vers moi. Encore. Un round. Quoi? Non. Ok, la moitié. Ça va chez vous? Ça va, viens prendre le numéro. Ah. Son visage est un magnifique joyau. Ses yeux sont comme... Elle a des yeux de biche. Oh oui, je m'en souviens, elle. Elle a de très beaux yeux. La fille la plus belle. La plus magnifique. Angela. Tu as fini? Juste un petit détail. Je dois représenter exactement ce que tu m'as dit. Un instant. Je suis très impatient de voir son visage. Elle est belle, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Hein? C'est elle? Non, ça ne lui ressemble pas. Tout ce que tu as fait sur ce tableau n'a absolument rien à voir avec elle. Ce dessin-là n'a rien à voir avec Angela. Tu n'as pas juste dessiné la mauvaise personne, mais tu as dessiné quelqu'un de complètement différent. Désolé. Alors, tu savais qu'il faisait le mauvais dessin? Ouais. Tu savais aussi qu'on venait au mauvais endroit. Je suis aussi sûr que tu sais où se trouve Angela. Bien évidemment. Verita, s'il te plaît, dis-le-moi. Dis-moi quelque chose au moins. Je n'ai que 7 jours pour trouver l'amour vrai. Dis-moi, qu'est-ce qu'un ange fait près de moi s'il ne peut pas me venir en aide? C'est vrai qu'il te reste 6 jours et quelques heures pour la retrouver. Mais je ne suis pas là pour t'aider à la retrouver, mais plutôt te protéger.
C'est donc à toi de la retrouver. Je ne peux pas la retrouver. Je n'ai même pas son contact. Par quoi commencer? Eh bien, tu devrais commencer par te souvenir de tout ce qu'elle t'a dit. Tu as eu au moins le temps de discuter avec elle. Seulement une minute. En une minute, on peut se dire beaucoup de choses. Alors, je te le répète, il faut que tu penses à tout ce qu'elle a pu bien te dire. Réfléchis. Réfléchis. Allez, vas-y, réfléchis. Ok. Elle écrit des romans sur les problèmes de couple. Elle a écrit sur la chanson d'amour. Oui. Elle a un master en sciences du comportement. Et elle s'occupe aussi des ressources humaines. Et ce, depuis 7 ans. Alors, je pense que c'est clair. On cherche une Angela qui est responsable des ressources humaines. Ok. Attends, ce n'est pas tout. Attends. L'accident a eu lieu à Sanusi Fafua, ce qui signifie qu'elle a été transportée dans l'hôpital le plus proche. Génial. Alors, on cherche une Angela qui travaille dans les ressources humaines, qui a eu un accident à Sanusi Fafua. Voilà. Il faut attaquer lorsque la cible est dans la ligne de mire. Je crois bien que nous avons notre homme. Je crois que c'est le moment de l'appréhender. Nous ne devons pas l'arrêter. Nous devons d'abord trouver Angela. Angela au café, n'est-ce pas? Oui. Prenez place. Les visites, c'est dans une vingtaine de minutes. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien. Pour tes os. Mais j'ai pensé que le traitement... Le médecin a dit que je pourrais sortir d'ici cette nuit. Il m'a dit de te faire prendre ceci pour augmenter ton taux de calcium. Ok. Merci. De rien. Après de nombreuses investigations, l'on a découvert que la jeune fille du nom de Mayowa Taylor a bel et bien été kidnappée. La famille de la jeune fille nous fait savoir qu'il n'y a pas eu de demande de rançon. Mais la police a rassuré la famille qu'elle fera tout pour la retrouver, car il se peut qu'elle soit détenue chez quelqu'un qu'elle connaît. La police nigérienne assure qu'elle fera tout ce qui est dans son pouvoir. Tu sais où elle est gardée, n'est-ce pas? Bien sûr. Excusez-moi, monsieur. C'est l'heure des visites. Salut, Angela. Hey. Waouh. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a eu un accident. Ouais, les médecins sont tout aussi surpris. J'espère qu'ils ne feront pas de moi un objet d'étude. Oui. Tu n'es pas surprise de me voir après ce qui s'est passé au ciel? Là-haut? Oui, là-haut, au ciel. Eh bien, dans le hall du jugement. Je suis désolée, mais est-ce qu'on se connaît? C'est moi. Le gars avec qui tu as échangé, tu t'en souviens? C'est moi. Nous discutions. Lorsque ton ange gardien est apparu... Et a dit que ce n'était pas encore ton heure, alors tu es parti. Ah, c'est toi. Sécurité. Non. Infirmière. Attends, Angela. À l'aide.
Angela, non. Sécurité! S'il te plaît, Angela, calme-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Désolé, monsieur, vous pouvez sortir, s'il vous plaît, de la chambre. Sortez de la chambre, s'il vous plaît, ou j'appelle la sécurité. Angela! Je veux qu'il s'en aille. Calme-toi, c'est fini. Repose-toi. Ça va aller, ok? Je suis désolée. Repose-toi. Ok, d'accord. Merci. Je t'en prie. Dans ce genre de cas, tu dois comprendre qu'il y a eu un formatage de sa mémoire avant qu'elle ne revienne. Elle n'est pas seule dans ce cas. Ce changement est valable pour tous les humains. Génial. Alors, tu vois, je dois encore tout reprendre à zéro. Et je ne sais pas si cette stupide infirmière me laissera la voir une seconde fois. Et si elle le fait? Et si je refuse? Et si tu ne refuses pas? Et si le temps qu'il me reste est assez court pour la convaincre? Et si le temps ici n'était pas le vrai problème? Tant qu'il s'agit d'un homme qui a fui le jugement. Un homme qui a forcé les portes du ciel pour trouver le vrai amour. Parce que quand tu décides, rien ne peut t'arrêter. Désolée. Ça te dérange toujours? Qu'elle a été libérée. Je le sais. Chargée des ressources humaines à Cap City Limited, à Abuja. Mais... C'est la société de Desmond Elliott, le gars de Nollywood. L'école de Desmond. J'ai été son ange gardien dans presque tout ce qu'il a entrepris jusqu'à aujourd'hui. Son artiste préféré s'appelle Preddy. C'est un artiste engagé. Il a fait des concerts en ligne depuis son salon. Il y a plusieurs artistes qui font cela. C'est comme une thérapie. Il le fait. Tous les mercredis, il y a une consultation gratuite pour tous ceux qui sont intéressés. Ça se passera demain.
Tu comptes y aller en tant que demandeur d'emploi? Je crois. Mentir n'est pas la meilleure solution. Ok. Je pense... Je connais quelqu'un. C'est ça. Ouais. C'est l'un des meilleurs thérapeutes. Il peut m'y faire entrer, n'est-ce pas? Est-ce que c'est... Si toi embauches-moi dans ton entreprise, moi fera tout, tout ce que je dois faire pour que ton entreprise marche bien. Il faut me croire. C'est la vérité, madame. Moi, pas décevoir toi. J'ai compris. Ok, alors, rappelez-moi après la pause. Nous allons nous entretenir sur comment parler français correctement pour ne pas perdre d'opportunités. Oui, madame. Oui, madame. Okay, on se voit dans 30 minutes. D'accord, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. J'aimerais vous présenter quelqu'un. Alors, voici monsieur Richard Francis. Quoi? Vous connaissez? Oui. Oui, une fois... Oh, je vois. Allez-y, prenez place, s'il vous plaît. Merci. Alors, puis-je utiliser les toilettes, s'il vous plaît? Les toilettes? Laisse-moi te dire une chose. Si tu essaies quelque chose de louche, je vais te le faire payer. Je veux te poser une question, monsieur qui me suit partout. Qu'est-ce que tu t'es venu faire à l'hôpital? Je sais que mon approche n'était pas la bonne. Je suis entré comme ça et j'ai commencé à te raconter des choses qui n'avaient vraiment pas de sens. Je n'aurais pas dû faire cela. C'était une mauvaise approche. Tu as raison. Vigile-là m'a jeté dehors. Mais bon, c'est le passé maintenant. Est-ce que je peux t'inviter? Impossible. Je ne peux pas sortir. Tu n'es pas disponible? Non. En tout cas, pas pour le moment. Même pas pour un dîner ce soir? Considère cela comme un entretien d'embauche. Un peu comme si tu avais découvert que j'avais du potentiel, tu vois. Ça sera une première phase, ensuite il y en aura une autre. Jusqu'à ce que tu sois convaincu que je mérite vraiment le poste. Ok? Seule une responsable des ressources humaines comme toi peut reconnaître que j'ai du potentiel. Et peut me donner le poste dont j'ai besoin. Écoute,
Richard, je te l'ai déjà dit. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est seulement te protéger. Je n'ai pas besoin de ta protection. Ce que je veux, c'est gagner son cœur. Mais il te reste encore 5 jours, n'est-ce pas? Et si elle n'accepte pas, je meurs. Richard, tu dois utiliser rationnellement ton temps. Et tu auras gain de cause. Ça t'amuse, n'est-ce pas? Fais attention à toi. Ne me suis plus. Garde ta protection. Oui, bien sûr. À quoi me sert ta protection? Qu'est-ce que tu as fait pour moi jusque-là? Parce que tout ce que je le fais par moi-même. Tu ne m'es pas utile. Ce n'est vraiment pas sage. Qu'est-ce qui est sage? Il y a un adage qui dit que tout vient à point nommé. À qui sait attendre, alors sois patient, Richard. Tu es sûr d'être un ange? Arrête de perdre mon temps. Bonjour à tous. Alors, nous revenons sur cette affaire qui a défrayé la chronique ces dernières semaines. Il s'agit de l'enlèvement de Mademoiselle Taylor. La police a rassuré la famille de la jeune fille qu'elle mettra tout en œuvre pour la libération de Maioa Taylor. La police a aussi signifié qu'elle fera tout pour la ramener saine et sauve. À la question de savoir où se trouve la jeune fille en ce moment, le commissaire a répondu qu'il ne pouvait pas divulguer cette information jusqu'à ce qu'il réussisse à mettre la main sur les ravisseurs. Impressionnant. Admirable. Merci. Mais vraiment stupide. Être témoin d'une telle chose, vous auriez dû appeler la police et vous en aller. Les filmer a été une très mauvaise idée. Je sais. Puis-je avoir la vidéo? Lorsqu'il me poursuivait, j'ai jeté le téléphone dans les broussailles et il s'est cassé. Nous devons récupérer les données. Oui, je crois qu'on peut récupérer les données. Je connais un réparateur. Inspecteur Tunde, un instant s'il vous plaît. Merci, monsieur. Maintenant, nous comptons uniquement sur vous pour libérer cette fille. Oui, ne vous inquiétez pas. Vous savez, au-delà du fait que vous êtes de la police, j'aimerais vous dire aussi que nous sommes des amis. Les policiers sont nos amis. Mes amis. Merci. Comment... Savez-vous que je voulais être policier quand j'étais petit? Ouais. Je voulais sauver le monde. Je crois que s'il n'était pas trop tard, je changerais de boulot. Je suis désolé, je devrais arrêter de plaisanter. Excusez-moi. Quand pourrions-nous avoir la vidéo? Donnez-moi juste 1 heure. Ok. Merci. Est-ce l'homme qui a la vidéo concernant les ravisseurs? Oui, c'est lui. Je crois que cet homme maîtrise la situation. Faudra faire attention. Boss. Dis-moi, est-ce que c'était pour faire une clip vidéo?
téléphone. Tu veux que je te repose la question? Il est sur la table à manger. C'est là-bas que je l'ai laissé. Celui-là? Tu ne pouvais pas bien chercher? Ah, boss, j'ai fouillé presque partout, je vous le dis. Lorsqu'on s'est renseigné, on nous a dit qu'il avait deux téléphones et que celui-là ne servait qu'à faire des selfies. Ok, fais-moi ressortir la vidéo et éliminer ce gars. Oui, il a vu nos visages, il peut nous dénoncer. Pas de problème. Pas si vite. Les gars, vous avez une belle nana par ici. Je vous donne 2 jours. 2 jours? Oui, 2 jours. Vous êtes venu un peu en retard et là, j'ai beaucoup de boulot. Donnez-moi juste 2 jours pour que je répare votre téléphone. N'ayez pas peur, je suis Samsung Samsung. Peu importe la panne, peu importe la marque, Samsung les répare tous. Je ne vais pas vous décevoir, donnez-moi juste 2 jours et ça sera réglé. 2 jours? Oui, 2 jours. Est-ce que je vous ai une fois déçu auparavant? Ok, merci. Ok. Est-ce que j'ai mal fait d'appeler la police la dernière fois? Faire le bien n'est jamais mauvais. Alors pourquoi devrais-je payer pour ça? Tu décides d'être un bon gars, mais les gens te trahissent. Lorsque tu as des problèmes, ils ne peuvent même pas te venir en aide. Tu peux être juste avec eux, mais ils sont toujours injustes avec toi. Ils sont prêts à te faire prendre une balle. Pas tant que je suis là. Et si c'était pas le cas? Je croyais avoir réussi. Angela avait commencé à m'aimer. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter un tel traitement? Ce sont les lois de la nature. C'est plus facile de faire du mal. Tu sais, chaque jour, là-bas au ciel, nous avons tous cette réaction. Lorsque nous voyons tout ce que les humains accomplissent de grand sur cette terre, lorsque Josué a défié la nature en arrêtant le soleil pendant 3 ans et 6 mois. Lorsque Daniel s'amusait avec les lions alors qu'ils étaient censés le dévorer. Mon Dieu, quand je pense à Élie et les prophètes de Baal, comment des humains arrivent-ils à accomplir ces choses? C'est uniquement... lorsque tu agis avec foi dans tout ce que tu fais, que Dieu te soutient jusqu'au bout. Il fait sonner la trompette et fait trembler tout esprit qui ne l'honore pas. Tu sais, il y a toujours quelqu'un quelque part qui est prêt à tout pour réussir, peu importe les obstacles.
Et là, il se sentira comme si le monde entier était contre lui. Mais sa seule force serait d'avoir la foi. Oui, je vois. Je sais où rencontrer Angela, elle me l'avait dit. N'y va pas. Force et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. 1. Il stimule le bulbe. 2. Il augmente la pousse des cheveux. 3. Fortifie et améliore l'état des cheveux. Luxéol. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. C'est clair que tu me suis. Non, c'est plutôt toi qui me suis. Non, pas du tout, mais c'est non. Toi qui me suis. Je ne t'ai jamais vu ici. Eh bien, c'est la première fois que j'y viens. J'ai appris qu'ils font de la bonne nourriture par ici. Ah, vraiment? J'aime bien leurs plats. Sérieux? Alors je crois qu'on ira visiter leur restaurant lundi. Non, je vois déjà ta stratégie. Quelle stratégie? T'inquiète pas. Je plaisante. Vas-y, assieds-toi. Ok, pas de souci. Oh. Je vois que tu as tout apprêté. Voilà pour vous, mademoiselle. Merci. Alors, est-ce que tu aimes cet endroit? Oui, j'adore. C'est calme, paisible. Ça me fait plaisir. Alors, dis-moi, est-ce que tu portes toujours ce chapeau? En fait, mon père avait l'habitude de le mettre. Alors j'ai décidé de le porter aussi. Je pense que je le porte pour cacher ma grosse tête. Ça me fait honte. Tu devrais plutôt être fier de toi. Venant de toi, ça me touche vraiment. Tu joues aux échecs? Je suis le roi des échecs. Vraiment? Ok. Alors on y va. Maintenant? Oui, c'est là-bas. Ok. Allons-y. Merci. Messieurs, s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Demora vous salue. Demora? J'ai de la chance aujourd'hui. Vous êtes des idiots. Je vous ai confié une simple mission. Qu'avez-vous fait? Vous avez préféré vous faire plaisir en vous gavant d'alcool et de drogue, en passant votre temps à mater le gros postérieur de toutes les filles dans les rues. Vous êtes en train de faire des choses que vous regretterez plus tard. Grand Lucius, en fait, nous étions en train de nous préparer pour entamer la mission.
Grand maître, écoutez-moi. C'était une stratégie de dissuasion. Nous ne prenions pas vraiment plaisir pendant ce temps-là. Est-ce que vous savez la définition du syndrome de l'imbécilité infinie? Non, grand maître. Je vais vous le dire. C'est lorsque vous deux, vous utilisez une stratégie de dissuasion pendant que le sujet de votre mission, celui qui doit nous permettre d'avoir la victoire, est tranquillement en train de se pavaner dans la ville. Grand maître, s'il vous plaît, pardonnez-nous et donnez-nous une seconde chance. Nous n'allons pas vous décevoir. Ayez pitié, grand maître. Faites une erreur. Dans cette mission, et je vous enverrai directement dans le feu de l'enfer où vous allez périr pour le restant de votre éternité. Dégagez de ma vue. Merci. Bande d'incapables. On a gagné. On est vainqueurs. Mais... Je te l'avais dit. Vous étiez... Bye. Ah, bye. À une prochaine fois. Tu sais, mon problème avec certains arrangeurs, c'est qu'ils ne veulent pas vendre la musique qu'ils font. Alors que plusieurs d'entre eux sont de très bons chanteurs, je n'arrive pas à comprendre. Et ce que je trouve bizarre, c'est que ceux qui veulent chanter font sortir une chanson chaque année. Tu vois, c'est très bizarre. Tu sais quoi? À leur place, je ferai sortir beaucoup de chansons. Je crois que tu as raison. Tu sais, j'ai toujours... Angela? Alors, on se verra demain au déjeuner, ok? D'accord, je serai à l'heure. Je crois que c'est mieux. Peut-être à l'aide. Il veut que la jeune fille avec qui il était vienne le sauver. Son nom commence par V. Et vous, où est-ce que vous tentez de l'amener? Il m'appartient. Ah, en quoi est-ce que ce qui m'appartient t'appartient aussi, mon cher ami? C'est avec moi que tu joues. Est-ce que tu me connais? Vous n'êtes que des enfants. Ah. Pour qui est-ce que tu te prends? Hé, hey, les gars, c'est avec moi que ce gars s'amuse. Dites-lui qui je suis. Hé. Hey. Tu as su où j'étais. Ces deux hommes que tu as rencontrés, ils ont parlé de mission. C'est bien ça? Et une chose du genre, ton nom commence par V. Ils ne sont sûrement pas d'ici.
Tu dois te préparer pour ton rendez-vous de demain. Mais j'ai un truc à faire avant. Depuis que mon frère et sa femme sont morts dans un accident, c'est moi que Mayowa appelle tout le temps, lorsqu'elle a des problèmes. Tu sais que je n'ai pas le choix, je dois m'occuper d'elle. C'est ma nièce après tout. Ah, alors je crois qu'il faut impliquer la police, pour qu'on puisse vite la retrouver. Je te fais entièrement confiance. Je vais rencontrer la commissaire. Voici ceux qui ont kidnappé votre nièce. Je t'ai tiré dessus. Ah, je t'avais tué. Vous êtes avec eux? La ferme. C'est plutôt eux qui sont avec moi. À partir du moment où je te paye pour faire un boulot, c'est plutôt toi qui es avec moi. Alors vous avez kidnappé votre nièce? Et alors? Si c'est la fille de mon frère, mais pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas me remettre les documents des transactions dans ce cas? Est-ce qu'elle veut que son oncle parte en prison? Quelle transaction? Blanche. Se fait appeler mon frère. Vous avez tué votre frère. Ah. Donc les 3 années passées à vos côtés, je les ai passées avec un meurtrier. Ah. Pourquoi tu te permets de me juger? Est-ce que tu m'as déjà vu tuer quelqu'un? Ce sont eux qui tuent les gens, pas moi. Hé, hey, toi, je t'ai descendu. Je m'en souviens. Tu as besoin de mon aide? Oui, bien sûr. Hé! Hey, qui est-ce? Un revenant? Tu es au Batala ou au Batocha? C'est au sous. Il n'y a qu'à dire, pourquoi qu'à dire? Richard! C'est au sous.
Ton rendez-vous est dans 30 minutes. Je suis déjà en retard. J'espère pouvoir arriver à l'heure. Allô, Jeanne? S'il te plaît, je ne veux pas être dérangée. Pendant mon déjeuner, je veux dire ni appel, ni visite, rien. Merci. Oh, les embouteillages. Non, pas maintenant, pas maintenant. Chef, s'il vous plaît. Où sont les papiers? Vas-y, montre-lui tes pièces. J'ai laissé les pièces de la moto. Chef, s'il vous plaît. Monsieur, descendez de cette moto. Oh. Dépêchez-vous. Où sont les pièces? Jeune homme, descends de la moto. Garde bien la moto. Chef, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Écoutez, chef, je suis en retard. Monsieur, continuez à pied. Fais voir les pièces. Dépêche-toi. Fouille-le bien. Allez, avancez. Avancez. Allez, 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 allez. Dépêchez-vous. Plus vite, plus vite, plus vite. Monsieur, s'il vous plaît, il faut accélérer. Vite, monsieur, s'il vous plaît. Je vais doubler le transport. Dépêchez-vous. Allô? Est-ce que mon visiteur est là? Pour moi? Oh, ok, faites-le entrer. Ok. Ok. Oui, entrez. Merci. De rien, madame. Au revoir. Merci. Tu n'as même pas touché à la nourriture. Eh bien, je m'attendais à quelque chose de totalement différent. Tu sais, je suis fortement en train d'essayer de me racheter. Parce que mon boss m'a convoqué à une réunion imprévue. Alors je dois tout faire pour respecter le rendez-vous. Je sais que tu n'as pas envie de perdre ton boulot à cause d'une femme, n'est-ce pas? Et je sais aussi que c'est vraiment difficile d'en trouver. Mais pour toi, tu sais que je peux faire une exception. N'est-ce pas? Tu veux me dire que l'entreprise appartient à ton père ou quelque chose comme ça? Ou quoi? Sur ce point, je crois que les gens disent que je suis ingénieux. Vraiment? Et est-ce que tu peux confirmer ces rumeurs? Eh bien, je ne peux le dire. Mais l'amour vrai chose que je n'ai jamais trouvé. Et je suis prêt à remuer ciel et terre pour le trouver. Je suis prêt à tout sacrifier pour l'avoir. Je dois trouver l'amour vrai. Eh bien, je pense que ça ne doit pas être aussi difficile.
Écoute, je ne sais vraiment pas comment est-ce qu'il a fait pour s'échapper, mon frère. Ouais, il est évident qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Je suis certain qu'il a l'aide de Verita. Quand j'aime, c'est pour de vrai. Peu importe les circonstances, les épreuves, tout. Je veux que tu comprennes que... si quelqu'un est contre toi, il mourra sur son... Sache que... je me battrai pour toi. Tu peux me faire confiance. C'est quoi ton problème? Je veux dire, tu transformes tout le temps, toutes les conversations qu'on a en une occasion de drague. Pourquoi? Je sais, juste un whiff ferait l'affaire. On peut se voir demain? Hein? En fait, demain... non, je n'aurai pas de pause personnelle. J'ai un déjeuner d'affaires avec un client et je suis en train de tout faire pour pouvoir le convaincre. Alors je vais rester dans les parages au cas où... au cas où il s'absenterait. Je t'assure que ça me ferait vraiment plaisir, vu que tu es le seul homme de ma vie. Je peux te rappeler, je dois faire une course pour mon patron. Quelle course, c'est si important. Tu sais quoi, ce moment a été l'un des moments les plus particuliers de ma vie. Ok, pas de problème. Ok, princesse, je te rappelle plus tard. Monte si tu veux vivre. Je savais que tu étais un gros peureux. Allô? Bonjour, inspecteur. Je suis les témoins de l'enlèvement de Maiwa Taylor. Celui que vous essayez de tuer. Où êtes-vous en ce moment? 7e rue, Ikeja City. Mais Ikeja City n'a pas cette rue? Vous me prenez pour un idiot ou quoi? Vous croyez vraiment que je vais vous dire où je suis? Je ne suis pas fou. Je sais très bien ce que je fais. Je vais vous dire un truc. J'ai la vidéo et je la mettrai bientôt sur Internet. Alors votre vrai visage et celui de Monsieur Kebi seront découverts. Tous sauront qui vous êtes, vous et votre commissariat. Êtes-vous en train de me dire que Monsieur Kemi, l'oncle de la fille, est aussi complice dans cette affaire? Ah ouais? Vous faites semblant, n'est-ce pas? Continuez de faire semblant. Vous pensez que je ne sais pas? Que je ne sais pas où vous êtes? Je connais votre adresse. Il m'a raccroché au nez. Merci pour tout ce que tu as fait. Elle devait juste dire oui. Elle a dit que je lui plaisais. Pourquoi elle prend assez de temps? Moi, j'ai pas le temps. Ne t'en fais pas. D'accord. Tu es un homme bien. Et... à propos de l'histoire d'Angela avec les hommes, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle te saute dessus. Simplement parce que tu remplis tous les critères du mec idéal. Hmm? Que dois-je faire pour qu'elle change d'avis? Pas besoin de t'inquiéter. Tu dois continuer de le prouver que tu l'aimes vraiment. Peux-tu m'accompagner voir quelqu'un? D'accord. Nouvelle mission. Oui, allô? Oui, je vois. Pas de problème. Ok. Je vous reconnais. Comment êtes-vous entré ici? Je m'appelle Azazel. Mon ami s'appelle Osé. Nous voulons la même chose et nous sommes ici pour...
Azazel, Osé, dites-moi, ce sont ces noms-là que vos parents ont trouvé à vous donner? Vous voulez Richard Francis? Nous sommes ici pour vous aider. Comment êtes-vous rentré ici? Jeune homme, celui que vous voulez, c'est Richard Francis ou non? Osé, essaie d'expliquer à ces gars-là qu'on est venu en paix. Maintenant que tout est clair, est-ce que tu es enfin d'accord pour qu'on t'aide à retrouver Richard et que tu puisses lui faire ce que tu veux? Le marché a-t-il conclu, mon ami? Oui, boss. Je ne m'appelle pas boss. Je m'appelle Osé. Oui, Osé, boss. Bébé, on frappe à la porte? Ah ouais? J'arrive. C'est la maison d'Asana? Oui, mais mon gars, Monsieur Kemi m'a demandé de rester ici. Richard, je ne m'attendais pas à toi aujourd'hui. Ouh, tu as l'air vraiment différent. Tu as l'air d'un singe rejeté. Je veux avoir accès à la base de données de ton entreprise pour parler à l'un de mes clients. Tu sais bien que ce n'est pas légal, non? Asana, il s'agit de vie ou de mort. Elle t'a déjà répondu. Asana, sois de mon côté, s'il te plaît. Écoute ce que j'ai à dire à la personne que je veux joindre. S'il te plaît. Bébé, non. Écoute, mec, Monsieur Kemi nous a dit que tu es dangereux et que la police te recherche. Et là, tu viens nous dire que tu veux parler à quelqu'un qui est dans les bases de données privées d'une entreprise. Écoute, je ne sais pas ce que tu veux, mais je ne veux pas que tu viennes ici nous créer des ennuis, donc... Ok, ça va. Tu vas la boucler. Oh. Oui, boss. Attends. Ok. Viens. Très bien. Ok, c'est parti. Ouais. Le macabre. Oui, boss. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce sont ces fous qui veulent me voir, moi. Donc j'ai passé tout le temps à attendre ici à cause de ces idiots. Oui, boss, en fait. La ferme, pour... arrête de me raconter des idioties. Qui vous a permis de vous asseoir? Je m'appelle Azazel. Mon ami s'appelle Osé. Oh, merde! C'est quoi ces noms? Où avez-vous pris ce genre de prénom? Qui vous a envoyé? La ferme, tais-toi. Regarde leur visage de singe. On dirait les acteurs de dessins animés. Allez hop, dégagez d'ici. Vous êtes encore là? Allez dehors! Avec vos visages de chimpanzé, toi viens là. J'espère que tu n'envisages pas de... Mon cou. S'il vous plaît, arrêtez. Mon Dieu.
Mais pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit que vous êtes le grand chef? Je ne le savais pas. Maintenant, nous avons ton attention. Oui, oui, je vous écoute. Bien, nous sommes les nouveaux responsables. Responsables de quoi? De tout. Hein? D'accord. Nous avons commencé cette consultation il y a 3 mois de cela. Et je n'ai pas eu gain de cause parce qu'on est sortis ensemble. Maintenant que nous sommes là, mettons fin à cette relation pour que chacun puisse faire sa vie. Je veux faire ma vie avec toi. Tu penses que je suis stupide? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Non. Angela? Richard? Hey. Richard, je suis en réunion. Je veux juste que tu vois ceci. Elle vient de te dire qu'elle est... Juste une minute. Richard, que fais-tu ici? Crois-moi, je ne serais pas ici si ce n'était pas important. Ok. Oh, The Kingsman? Ah. Hey. Vous êtes vraiment magnifique. Vous devez être Angela. Oui. Peu importe ce que ce gars-là demande. Mais s'il vous plaît, il faut accepter. Il m'a dit qu'il allait supprimer toutes mes archives de mon cloud si je ne chantais pas pour vous. Bien qu'il m'ait dit que c'était une menace amicale. Mais j'ai fait beaucoup de choses stupides pour l'amour par le passé, donc... Je ne veux pas blesser le cœur de Richard aujourd'hui. Alors? Baby, oh, baby, can't do without you, baby. My love, my diamond, baby. Oh, take my hands, or oh, Remy, my lady, my baby. Come be with me, oh, baby, forever and ever. And I don't want to never love another, cause I love you. And I want to give my heart and soul, cause I trust you, baby, oh, shit. Oh, sure. Baby, please stay. Cause you are made in heaven. Angela, j'espère que ça va marcher. Je dois vous laisser maintenant. S'il vous plaît, ne me décevez pas. Merci. Bye. Oh, tu n'aurais pas dû. Si je te le disais, tu ne me croirais pas. Vraiment? J'avoue que cela m'a fait vraiment plaisir. Comment tu l'as eu, dis-moi? Je lui ai écrit en ligne et heureusement pour moi, il a accepté de me parler et c'est parti. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Oh. Ok, les roses sont rouges. Les émojis sont jaunes. Angela, s'il te plaît, je veux que tu sois ma petite amie. Je suis tombé amoureux de toi dès le premier jour où je t'ai vue. Écoute, j'ai bien envie, mais j'ai peur. Tu sembles être vraiment sérieux, mais... Je suis très sérieux. Oui. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses dans ta vie, mais... Crois-moi, je suis l'homme qu'il te faut. Tu sais, parfois les dragons de l'enfer s'habillent comme des agneaux. Je te présente Ola, un... On va essayer. 6 mois. 1 an. Quoi? Essayons juste une relation pour voir comment je serai avec toi. Désolée, mais je ne peux pas. Pas maintenant. Tout ce que je veux, c'est une amitié. Mais une amitié, c'est parfait. Vraiment? Je n'ai jamais vu un homme aussi idiot que toi. Tu es sérieux, là? Les roses sont rouges, c'est pas la peine. Oh mon Dieu. Écoute, Angela, c'est toi et moi jusqu'à la fin. Richard, écoute. J'ai bien réfléchi. Appelle-moi demain, pour qu'on en parle. N'oublie pas. Angela, oh, on n'a pas encore fini. Cela fait une semaine que c'est fini. Non, assieds-toi. Tu ne dois pas...
Tu ne dois pas t'en aller lorsque je te parle, Angela. Tu reviens ici, Angela. Angela, écoute, je suis désolé. Angela, reviens. Je me souviens vous avoir posé une question. Alors éventuellement, j'attends une réponse. Alors dis-moi, où est la vidéo? Pourquoi tu ne l'as pas encore envoyée? Si tu veux mon soutien, fais-le maintenant. Demain, à 00h30, ton délai va expirer. Alors fais tout ce que tu peux pour la convaincre. Elle a accepté de dîner avec toi. Elle doit maintenant accepter d'être ta petite amie. Et tu auras la vie sauve. Monsieur Kemi, s'il vous plaît, elle n'a rien à voir avec ça. Écoutez, peu importe ce que vous voulez. Je viens immédiatement. Angela ne doit pas être mêlée à tout ça. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire de mal? Je dois la protéger. Je veux que tu m'aides à la protéger. Écoute, Richard. Ma mission, c'est... Oublie ta mission. Angela est morte une première fois à cause d'un idiot. Elle a eu une chance pour moi. Et tu veux la laisser mourir encore? Mais non! Je t'en supplie au nom de Dieu, s'il te plaît. Oublie-moi. Ne me protège pas. Tu as assez fait pour moi. Peux-tu l'aider? S'il te plaît. S'il faut que je meure pour que tu la protèges, je mourrai. S'il te plaît. Ne t'inquiète plus pour moi. Je peux m'en sortir. Crois-moi, Verita. Désolée. Les instructions pour changer ma mission doivent venir d'un pouvoir. Un pouvoir plus grand que le mien et celui des humains. Bien. À qui dois-je m'adresser? Est-ce que... vous avez un responsable des anges ou quelque chose comme ça? Qui? Le Père lui-même. Seigneur, il y a longtemps que je n'ai pas fait cela. Je le reconnais. J'ai un bon boulot. J'ai de l'argent. J'ai fait des villes telles que Tokyo, Londres, Milan et autres. Je n'avais pas besoin de Dieu.
je suis désolé. Je suis désolé d'avoir fui le jour du jugement. Et je suis désolé de ne t'avoir pas remercié pour les 7 jours que tu m'as donnés. J'ai besoin de ton aide aujourd'hui encore. Je veux que tu m'aides à accomplir ceci. Protège Angela. Protège ma femme. Si elle est encore en vie. Si ce n'est pas trop te demander. Protège-moi aussi. Tu nous as appelés maître. Ces deux. Fous. Ces idiots. Vont gâcher notre mission. Que voulez-vous qu'on fasse? Vous savez, mes princesses, ils n'ont pas pu atteindre Richard lors de cette mission. En plus de cela, ils n'ont pas pu atteindre les hommes de Kemi. Parce que lorsqu'ils décident de frapper, cet ange du nom de Verita les attaque. Vous avez ma permission pour la détruire. Ne me décevez pas. Ça n'arrivera pas. Seigneur Lysius. Bien. Le piailler. Ok, boss. N'importe quoi. Tu ne sais pas que le pouvoir de vie ou de mort se trouve dans la bouche. Ne me touchez pas avec vos sales mains. La ferme. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie, je n'ai absolument rien fait de mal. Chérie. Je le sais. Mais c'est plutôt ton petit ami, Richard. C'est lui qui a décidé de s'attaquer à moi. Hmm? Si on ne t'a pas avec nous, on n'aura pas Richard. Tu comprends? Vous plaisantez ou quoi? Richard va venir ici à cause de moi? La police est là. La police? Alors, la plus belle, comment tu vas? Qu'y a-t-il? Richard n'est pas encore là? Il n'est pas encore venu. C'est lui qu'on attend. Je vais lui régler son compte à cet imbécile pour ce qu'il m'a fait. Écoute, Kemi, tu dois te calmer, ok? Je te l'avais dit, je suis sûre que c'est l'un de mes collaborateurs qui lui donne les infos. Ah! Oui! Ah, ah! Tu sais, s'il réussisse à me tracer et découvre tous mes biens, je suis foutu. Arrête de t'inquiéter, je t'ai dit que je gère cette affaire. D'ailleurs, c'est déjà réglé. Ah, ils sont là. Je l'espère. La vie est pleine de surprises. Où est la vidéo? Je l'ai sur moi. Mais libérez-les avant. Fouillez-le. Il n'y a rien, chef.
Alors le macabre. Le macabre. Oui, chef. Coupe-lui les doigts, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il parle. Non, non, arrêtez, stop. Je vais parler. J'ai la vidéo dans mon téléphone, près de l'arbre à l'entrée. Monsieur le destructeur d'avenir, je t'ai envoyé cette nuit-là uniquement vers Mayowa, afin que la police sache que j'ai envoyé quelqu'un là-bas au cas où elle appellerait. Mais au lieu de ça, tu es plutôt allé jouer les Batman. Tu vois ce que tu as créé aujourd'hui? Alors? Oui, chef, il a raison. Descendez-le. Ah! Je ne... Que se passe-t-il? Attendez, vous plaisantez ou quoi? Il y a un mois que l'inspecteur Toundé nous a donné l'ordre. Parce qu'il vous suspectait de couvrir et de protéger des criminels de ce pays. Alors c'est fini pour vous. Les amis, je vous conseille maintenant de baisser les armes. Baissez les armes ou je descends votre chef. Baissez vos armes. Écoutez, maintenant ou je le descends tout de suite. Déposez vos armes immédiatement. Tout de suite. Les gars, déposez vos armes, s'il vous plaît. Faites je ce que ne veux je vous pas dis. Mourir. Déposez tranquillement vos armes. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. Faites ce que je dis, je sais très bien de quoi je parle. Déposez vos armes. Faites-le. Les renforts seront là. D'un moment à l'autre. Essayez quelque chose de stupide. Et j'exposerai la tête de votre boss. Croyez-moi. Oh. Je vous en prie. Vas-y, détache-les. Si quelqu'un bouge, j'explose la tête de votre patron. Dépêche-toi. Oui. Pas un pas de plus.